Nous sommes en Volkswagen T-Roc pour un petit voyage en POV. Voilà. Parfait. Alors, Martin, on va démarrer. On démarre. Éteins la radio. Dans la radio si tu veux bien. Voilà. On démarre. Ouais. Et essence. Oui. C'est une essence. Et la boîte, elle est manuelle. Et la boîte est manuelle. Si je veux, je peux mettre en automatique, mais on va regarder en manuel, ça va? Alors, je mets vite l'adresse. Tu es prêt? Ouais. On y va. Alors, il y a plusieurs modes. Regarde, si tu veux, je peux mettre en mode éco. Moi, je mets toujours en mode écologique, c'est mieux pour la planète. Ouais. Il y a normal ou il y a sport. Et sport, ça fait plein de bruit. Tu veux lequel? Un peu normal et un peu de sport. Ok, quand on est sur la route, on met le sport, ça va? Ouais. On va démarrer comme ça. Super! Alors, je pense qu'il y a un petit peu beaucoup de voitures pour l'instant. Alors, tu vas voir la caméra de recul si tu veux, parce que j'ai un petit peu reculé. La caméra... qui est très très précise, qui fonctionne vraiment bien. Et on y va. Voilà. Bien installé là. Oui. Oui. Alors, si tu veux, tu peux régler le chauffage de ton côté, c'est individuel. Donc moi je règle le mien, tu règles le tien. Si tu veux, tu peux me le dire, c'est trop chaud ou trop froid. Ça va? Voilà. Alors, si tu veux, on peut mettre le cruise control adaptatif. Ça voudrait dire que je demande à la voiture de rouler par exemple 10 septembre. Je le fais. Donc je demande de faire 10 septembre. Et elle roule toute seule et elle s'arrête toute seule s'il y a une voiture qui est devant moi. Ça va? Il y a le line assist aussi, ça veut dire que je... En fait, si, je vais faire le guidon, mais elle roule toute seule en fait. Elle repère les signes qui sont au sol et elle roule toute seule. Donc là, j'ai mis le cruise control adaptatif. Donc tu vas voir que je n'ai pas envoyé mes pieds tout le trajet. C'est la voiture qui va rouler à 17 ans, qui va freiner, qui va accélérer. Ça va? Et il y a le line assist, donc entre guillemets, c'est elle qui suit la route. Moi, j'ai... Est-ce que j'ai changé de mode après quand on va accélérer un petit peu? Ça va? Quand on va faire du 90, on va changer de mode, au moins tu vas entendre. Là, on a encore 2 km tout droit et après on va changer. Mais en fait, j'ai choisi celle-là aussi parce qu'elle est facile à conduire, tu ne vas pas faire grand-chose, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de sécurité. Donc c'est pratique pour tout quand j'aurai un petit bébé à côté de moi, je ne vais pas me concentrer à changer de vitesse à chaque fois et faire une chose. Là, elle est en manuel. Elle est en automatique. Là, je fais rien du tout. Automatique. Là, c'est automatique. Là, je fais rien. J'ai pas encore touché le guidon depuis tout à l'heure. Enfin, j'ai pas encore touché la boîte de vitesse depuis tout à l'heure. Ouais. Alors, je change de mode si tu veux. Je vais mettre en mode sport. Ouais. Ouais. Si on peut un petit peu accélérer, ça va. Ouais. Je vais entendre le moteur. Voilà. Ça accélère bien. Ça accélère bien. Hein. En 2 secondes, j'ai passé peut-être 20 ans. Non, quoi. Et je vais mettre le cruise control adaptatif à 90 et maintenant elle va continuer toute seule à 90. Il n'y a plus d'accélération donc je ne vais plus entendre, mais on en fera encore une seule. Ça va? Ouais. Il y a un beau bruit à le moteur. Ouais. C'est plus intense, non? Ouais, c'est bien. C'est bien, hein? Est-ce que c'est confortable pour toi? Ouais. Elle est très confortable. Elle est silencieuse aussi, hein, je passe mon temps. Ouais. Elle est calme. Elle est très calme. Et voilà. Tu l'as appelé, c'est Percy, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est Percy Motor. Ils sont très très bien là-bas, ils sont super gentils. C'est là que j'avais acheté ma Polo il y a longtemps. Ouais. J'allais avec ma Polo il y a longtemps.
s'allume. Ouais. Donc ça c'est pratique aussi quand t'es sur l'autoroute, si tu sais en fait quand il y a une voiture dans ton angle mort ou pas. Ouais. C'est très bien ça. Oui, c'est pratique. Et ce qui est bien aussi, c'est quand je mets le line assist, donc quand la voiture elle suit les lignes de la route, ouais, et que je fais pas mon clignotant, ben je peux pas tourner. Donc je suis obligée de mettre mon clignotant pour tourner. Donc ça c'est bien aussi, c'est une bonne sécurité, ça évite que les gens roulent sans clignotant. Et je vois que t'as le doigt. Ah oui, elle est au grand aussi, en effet. En fait, je t'avoue que j'ai eu de la chance en achetant, parce que ma petite Polo était complètement abîmée, et donc je devais changer vite de voiture. Donc ça, c'est la voiture du showroom, en fait. Donc il y a beaucoup d'options et de belles choses qui sont dedans, comme c'est la voiture qui était en exposition. Et donc j'ai eu super rapidement. Ah ouais. C'est la voiture qui est en garage. Donc c'est pas moi qui ai choisi en fait les options, toi t'es là-dedans. Et tu consommes combien? Alors, d'habitude, pas beaucoup. Ah. Donc, quand je fais des longs trajets, je consomme 6 litres au 100, plus ou moins. Enfin, 6 litres au 100. J'avoue que là, j'ai mis en mode sport et là, je suis à 8 litres au 100. C'est pas méga bien. Mais d'habitude, je suis à 6 litres au 100, plus ou moins. Mais bon, c'est encore une nouvelle voiture pour moi. Mais je pense que je pourrais bientôt peut-être faire mieux encore que 6 litres au 100. Mais c'est déjà pas mal, parce que c'est quand même une essence. C'est déjà pas mal. Et voilà. Je coupe le courant ou tu veux encore regarder quelque chose? Donc quand on démarre une fois, qu'est-ce que tu veux faire? Tu coupes le courant. Tu coupes le courant? Ouais. Et voilà. Et le frein à main, il est automatique. Il est automatique en fait, regarde, il s'est déjà mis maintenant. Quand je mets le levier en parking, il se met automatiquement. Donc je n'oublie jamais de le mettre. Ça, c'est c'est bien. C'est chouette. Il y a plein d'options aussi, le GSM, la radio, il y a beaucoup d'infos aussi. Il y a beaucoup d'infos. Ah oui, et le toit ouvrant, c'est ça que tu disais. Et ici, en fait. Que je peux l'ouvrir. Ouais. Hop. Je vais pas le faire maintenant, il fait pas très chaud, mais hop. On peut le remettre si on veut. Et voilà. Merci. Mais avec plaisir, Martin.